Ça a bien viré, c'est rapide en bas, regardez l'allée. Bien d'accord, il y a deux gars déjà. 4 de large, vous l'avez dit. 4 de large maintenant dans le virage en bas. Solide et rapide. Passe bien ici devant vous, les spectateurs, c'est venu au mirage de 67. Ça, c'est un gars d'expérience, pas de vrai, c'est Côté, de Brémois, je vais le voir plus près. Éric Côté, un gars de Saint-Ici, juste à Côté, derrière Baptiste. Donc, quelle bataille qu'on a là-bas, les deux gars sont très rapides. Donc, Éric Côté, le et il est pas si seul, regardez Côté, qui est malade de Côté, suivi du 64D de Saint-Jean-Prévence de Côté. Patrick Desrochers, tout juste derrière. Et la tête. Le 11-11, Gérard Lavigne, qui a fait une super belle course hier. De bataille pour la troisième, en problème mécanique pour le 64D, Patrick Desrochers. Ça donne la chance au Vento de venir en troisième. Et du 11-11, Gérard Lavigne. Guillaume Bussière maintenant est en deuxième. Et le demeure, un doigt faire le drapeau blanc de JD, 1 lap to go. The white flag is out. L'animateur est en feu, les cordes vocales se replacent. Venez-vous bien, qui est donc avec de roche. Envoyez le meilleur coup encore aujourd'hui. Le 69, on lâche pas. Quelques cordes d'orange sur le top, mais c'est pas parce qu'il y a des cordes d'orange qui est pas sur le cap. Qualification numéro 5, donc les prochains sont sur la ligne de départ, les 4 vers 4. Et pendant ce temps-là, on vient chercher la victoire à Éric Côté, ça sera une place en finale. On vient chercher la deuxième pour le 11-11, selon moi, Guénard Labbé.